Donc salut à tous qui arrivent et tous ceux qui sont déjà là, on va faire un petit test son. Je suis sûr que là il y a encore un petit problème de son. Je vais te dire ça tout de suite. Mélangeur. Skype, tout m'a l'air opérationnel. Allez, allez, allez. Mouahaha, ok. Si tu pouvais me dire le son, ça serait pas mal. Le son est bien. On nous entend? Ouais, parfait. Tous les deux? Ok. Donc bah salut à tous. Donc on se retrouve là pour le premier match. Donc Dalma contre Elminster. Le match de Lily aura lieu à 20h20. Donc d'ailleurs Toby qui vient de lancer le combat. Non, pas à tous à moi. Donc chez Alma, nous avons un Fram, un Pandawa, ainsi qu'un Kra et un Enirepsa. Et du côté d'Elminster, nous avons un Fika, Steamer, Zobal, ainsi que Sacrieur. Alors il faut tout d'abord savoir que ces deux équipes qui ont gagné leur premier match. Ouais, je sais qu'Elminster a gagné ses deux premiers matchs, donc forcément l'équipe qu'ils ont en face ont gagné leurs deux premiers matchs. Ou ont peut-être gagné un match et perdu un, c'est possible aussi, parce que c'est le système des rondes suisses. Alors c'est le panda d'Alma qui a réussi à avoir l'initiative. C'est un peu mauvais pour Elminster directement, parce qu'il suffit que le panda se fasse un pan dans le cul pour ramener peut-être le steamer, ou je ne sais pas, parce que le steamer joue quand? Ah, le steamer joue juste après, donc peut-être la F4. J'aurais plutôt mis la F4 moi derrière, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Il y a moyen de l'isoler quand même, même s'il y a le sacri quand même qui joue. Mais le sacri peut pas coop transpo, donc il y a moyen qu'elle se fasse entamer avant les armures. Allez. On va bien voir ce que ça donne. Si tu peux continuer de faire un peu de pub sur le serveur officiel, c'est toujours Ouais, cool. pas de soucis, t'inquiète. Je gère ça. Normalement les matchs devraient se lancer parce que les meilleurs gagnent. Donc oui, Toby qui a lancé le combat. Allez. Hop. Donc nous avons un Pandawa en 12 PA 6 PM, de résistance assez correcte en neutre et en terre, sinon c'est assez faible quand même. Alors, il nous fait une petite place explosive. Merci pour Sinon la c'est. pub à De Slizes sur Lily, au passage. Ah, il place le SRAM complet à côté de la F4 pour la bloquer. C'est bien joué. Donc Lui là. place un pan dans le cul pour qu'il puisse revenir derrière. Alors une picole et un panda wasta pour aller embêter le steamer sûrement. Parce qu'elle est là. Moins 30 d'attaque et le steamer qui ne pourra donc pas cac. Alors ils ont maximisé donc les esquives PM du côté de Elminster. Avec des esquives PA tout aussi intéressantes quand même. Mais étant donné qu'il y a un Kra et un Eni quand même. Ils ont pas négligé le. Une libé déjà de. Ouh ouais, la libé à 210. Donc un steamer quand même axé dommage de poussée. L'attaque Tyrell. Nous Évolution sommes 2. 6 sur le live pour l'instant. Bien joué la tactique pour que la F4 soit ramenée. Il commence à se placer pour les armures. Ouais, voilà. Qu'est-ce que va faire le SRAM? Dans sa place, je ferais peut-être deux arnaques et je me barrerai. Je pense qu'il va il en grand duc donc. Ah non, il go sur le. Il érode Sur les ovales, avec sur une le petite Reaper, Zobal. non une arnaque, à Ouh, 600! l'arnaque à 600 qui fait mal. Les ovales en strigide, sûrement. Ouais, Zobal, oui, mais, vu les malus Ouais, de la mais là, street. il a Alors, on a rush. un sacré qui joue en grand duc aussi, hein. Avec des résistances plus que correctes. 26, 26, 26 partout. Ça fait quand même. Le. Merde là. Oh. Le plastron sans crit à 1050, joli quand même. Quand ça se passait pour les armures plus la faction. Mythique qui joue presque avec le même stuff avec un Chrome Air cette fois-ci.
Ouais, du côté de Edmundster, on a quand même de jolies résistances air sûrement pour éviter bah, justement les arnaques qu'on a vues. Ou les explos. Bon, sur du plastron, ça fait pas grand chose. C'est déjà ça, ouais. La douleur. Des tours. Ah oui, pour pas qu'il y ait une ligne de vue. Je ferais peut-être un drainant moi sur la F4. Parce que vu 32 d'esquive PA c'est quand même faible, il y a peut-être moyen qu'un drainant passe. Ça dépend sans entrée. Par contre, niveau du stimu, là, c'est. C'est raté, ouais. Ouais, c'est raté complètement. Il y aura à la rigueur. Ah non, le SRAM qui. Ouais, Ouais. bah dans un sens le panda, bon, c'est logique, Pas mais un cran, c'était vide, je t'assure. le SRAM qui n'aura. Ouais, le SRAM qui n'aura pas donc le stimulant. Il fait. Ouh, il a même pas. Il a pas fait de mot interdit de mot stimu. Non, il l'a pas fait de stimu. Il a invoqué un Doppel et ouais. Pas plus. Que la F4, donc il va placer ses armures. Plus fraction, il y a une zone idéale. La glyphe sûrement, ouais, logique. Sa armure, en terrestre et la fraction. Donc Ok, bon. ouais, si ça tape haut par contre de côté d'en face, il y aura aucune protection. Mais pour l'instant, on a eu le Il a panda balancé feu. Ah, le. par contre, pour ceux. Déjà, on sait que le panda a l'archétype. Boutanos. Panda est à l'archétype Boutanos. Je vérifie. Parce que le Kra était feu aussi. Il a 21 de résistance air. Donc, c'est peut-être possible qu'il ait. On a vu une explode tout à l'heure. Ce serait pas impossible qu'il ait un cake de soin aussi. En fait, si la team joue tout en claque de soin, ils vont quand même pas. Bah y a, en fait ce qui me. Ouais y a déjà un ennemi quoi. Mais les 21 res R me paraissent bizarres quand même. Le crack mine de rien a de jolies résistances hein, en pourcentage. Ouais c'est. Ouais. Bah les 22 ça c'est du classique, hein, ça c'est pas compliqué, mais ouais 10. Ouais je vois pas trop de quoi ça vient. Donc le SCAF. Ouh. Qu'on sait qu'un fouen. Ça va rush sur le SRAM là. Le SRAM qui s'est mis à découvert quand même. Double fouen. Et la harpo. Tac Tyrell pour ramener le steamer un petit peu. Le SRAM qui continue de rush. Invi là je pense obligatoire l'invisibilité sinon il va se faire focus. Arnaque, un piège de silence et l'invisibilité. Donc il a que 6 PM par contre là. Bon, avec 6 PM il a pu aller assez loin quand même mais Zobal qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de chercher le SRAM? Parce que le SRAM qui a eu 0 PM à la fin de son tour donc c'est possible que qu'il le trouve. Piège de silence. Ça booste la F4, donc la Bah, F4 Miliki, ouais. qui doit sûrement jouer terre encore comme d'habitude. La Kawad pour bloquer la ligne de vue, ouais, logique. Qu'est-ce qu'il fait là? Un Doppel the Ball, ouais. Doppel the Ball très intéressant. Ouh, piège de silence qui fait mal quand même. Dur. La glisse d'Imo qui enlève 2 PM, ça reste correct. La Libé. Pourquoi qu'est-ce que le. Pourquoi il fait Libé là? Pour tuer cette. Ah pour avoir une ligne de vue explos encore. Ouais. Ah la Ouais. ralentissante. Non. Et le 10P, ouais, C'est un c'est œil pas. de temps, hein. C'est un œil de top, hein, pas une Ah c'est un. 36. Ah oui, c'est un œil de taupe, pardon. Ou alors il a des bottes, je sais pas trop quoi. On arrive au deuxième tour. Est-ce qu'il va avoir la coop ou pas? Un sacré qui joue.
quoi plus qui? Non. Moi je peux prêter le panda après. Qu'est-ce qu'il fait? Cra. Je prends le Kra, ouais, parce que le Kra joue juste avant lui, c'est pas si mal, mais bon, Lenny va pouvoir prêter juste après, peut-être. Donc bon. Quoique Lenny a que 40 esquis. Par contre, le piège de silence qui fait très mal. Hein. Putain. Ouf, les moins 30 de fuite sur Lenny. Moins 2 PM, donc elle est obligée de se faire un petit frayeur. Je pense qu'on aura plus de monde sur le stream quand Lenny va arriver. Je pense. Ah, parce que là on est 5. Oui, bah, c'est logique. Le Modimo qui passe qu'à moins 1, ça c'est moche. Et sur 70 esquis PM quand même. Hein. Ouais, sachant que sa vitalité. Oui, ouais, son. Sans rentrer, je pense pas que ce soit. Le SRAM qui est. Attends, est-ce que le SRAM était. Ouais, le SRAM était dans la zone revitalisant. Ça permet d'avoir une indication. Apparemment, le Kra est mort. Apparemment, le Kra est mort. C'est ce qu'il se dit. Ça. Ouais, c'est ce qu'il se dit. Après, sachant qu'il y a Mumiti, le Kra a juste un tir critique, quoi. Enfin, il y a 34% terre quand même, Immunity qui tape sûrement terre encore. Ou alors qu'il est sorti de 4 mètres. Ou retour les Daguerri, les Daguerri. Non. Ah non, la Béchasse. Béchasse. Du Nêtre. Crac qui s'est pris quand même du moins 1000. Une mise en garde sur le Steamer qui va sûrement jouer. Panda, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ah, le panda qui peut bloquer par contre le Zobal. Bon, le Zobal qui peut rush, donc c'est pas bien compliqué, mais... Non, il va le foutre devant. Ah oui. Ou alors? Ouais, mais le foutre devant, c'est pas vraiment la meilleure idée non plus, parce qu'il va pouvoir bolish. Je vais aller Niki. Il tab Lenny. Ouais. Petit flag, c'est... Explosive. Un point enflammé. Donc là on va voir le SRAM ou le Fouen. Fouen. Peut-être qu'il... Non, il va peut-être pas tuer le panda Wasta quand même, je pense pas. Ça m'étonnerait. Marée, ouais. Ouh, le Ressac qui prend. Ressac à 600 quand même. Le Kra a 2000 points de vie. Ouais, là à mon avis il va prendre cher encore derrière par le Zobal. Quoique je vois bien un petit piège répulsif. Mais je sais pas du tout où se trouve le SRAM. Par contre là le Kra il est encore renvoyé, voilà. Et le sacré. Ah oui. Et avec moins 360 avec le Fouen derrière. Ça fait encore très mal. À mon avis, le SRAM est trop loin. J'ai pas trop bien regardé son ancien tour de jeu. Il reste 1 PM. Il est là. Poison double. Piège. Il y a le piège répu quand même. Je sais pas pourquoi, moi je vois bien la petite cabriole pour peut-être éviter le piège répu. Piège, ouais. Poison. Non, mais non. Normalement, il peut... Il peut rush, là. Ouh, la masque. Hop là, fougue. Fougue. Boum. Wow. Boum, il y a plus de Kra. Voilà, ça fait bien mal. Et c'est du debout. On va voir comment Lily s'en sortira justement contre la team de Manidé. Sachant que là, il n'y a que le Zobal. Il y aura le Steamer avec eux encore. Oui, mais là, il y a le Steamer aussi. Ouais, mais ils sont par contre, le piège de silence qui fait très mal hein, à Endmonster. Je sais pas si c'est bien joué. Par contre, là, il va. Ah, attends. Je vois bien moi, le petit transfert pour me mettre en punition. Non, il est pas assez encore. Il n'y aurait pas assez. Détour. Pupu transpo. Non, je pense pas qu'il va pupu. Fail détour. Ah bah oui, il est stable. Transpo. Non.
qui préfère assaut. Orgir qui préfère 500 encore. Oui, les Nini peut-être. Les Nini qui a 1200 points de vie, ouais. 1300 points de vie. Ce sera ou du Rocance ou une Prêve. Et des Dagueri qui font rien contre. Enfin, des dagues sous Prêve plus. Sous armure plus fraction, c'est pas vraiment le meilleur choix, je pense. Surtout quand t'as une team sans debuff à part Panda. C'est pas. Y'a pas de debuff du côté de. Oh, ça c'est mal joué, ça, le mode frayeur. Sur la glisse du mot. Ah bah oui. Revitalisant que sur elle-même. D'open mini. Allez. Ça va rush le SRAM. Le SRAM, on sait qu'il était derrière. Après... Bah, le SRAM, il était là tout à l'heure. Ici, et il lui restait un PM. Il est resté sur la même case. Donc sûrement, ouais. Je pense que là, peut-être le panda va peut-être prendre... Ouais, le panda est sous picole, donc non. Puis il a 50%. Ça ne vivrait pas à grand-chose, je pense. Quoique, il peut lui mettre de retour et une BHS. Je crois que c'est ce qu'il est parti pour. Ouais, il est parti pour faire ça. Et il... Non, il émue son The Ball. Ah, il émue son The Ball. Mise en garde. Sur le steamer. Ouf. Le 500 encore au piège de silence. Ouh là là, Humility qui va se faire focus. Ouais. Peut-être une petite souillure en prime. Non, pas. Non, il y a le masque. Ah oui, il y a les masques, ouais. Hop. Porter, jeter. Il la porte vers le SRAM. Ouais. À mon avis, c'est la mort du Humility, à part si le steamer fait quelque chose. Je sais pas. Le steamer qui est bloqué là. Libé. Il a pas Evo sa gardienne, il a préféré Evo sa attaque Tyrell. Ah ouais, mais moi je pense qu'il va peut-être Evo sa attaque Tyrell niveau 3 et longue vue Unity. Ah, il peut pas. Parce que le double plus le panda bloque la ligne de vue. Tactique qui évolue niveau 2, mais... Hop, une marée sans panda voir. Ah non, attaque Tyrell quand même. Une convergence, voilà. Ouais, enfin c'est pas très bien joué la convergence. Hein. Hop, le SRAM qui vient de se faire taper là. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est réellement bien joué la convergence? Je doute un petit peu. Bah là, regarde. Eh mais... convergence, c'est que au cac, hein. Ouais, je sais. Ouais, parce que de toute façon, après, il récupère la masca, donc bon. Je sais pas s'il arrive à survivre jusqu'à... Ouais, normalement les Niripsen n'arriveront pas à l'achever. Il y a un sacrifice au pire. De toute façon, il a 1300, il va récupérer 1300 là. Ah bah oui, bah c'est bon. Le double qui est allé sur le... Voilà, 2200 points de vie, ça passe. Enfin, mine de rien, le monster, regarde, le roublard, c'est le Zobal s'est fait bien éroder, 3900 vitamage. Bon, je vais prendre l'apéro, moi. Tout. Ok, à tout. Je te laisse. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Dope, ouais, bolish, double bolish sur le SRAM sûrement, ouais. Des bolish à 700 sans Fouen, ça commence à faire mal quand même. Est-ce qu'on va avoir le droit au combo dérobat plus bolish? C'est intéressant à voir. Alors... un détour, une épée rendue que à 700 à peu près. C'est qu'un transfert, ouais, c'est logique. Telle la relance du piège de silence bientôt. Doppel qui se booste un petit peu. Qui tape quand même un peu quand même. Pas négligeable, c'est dommage. Même si c'est sur une invoque. Ouf,
troll, les génies, quand même. Ah oui. Mal joué ça. Très mal joué alors qu'il y avait convergence. Ouh, l'altrui. L'altrui qui sort. Mythique qui perd encore 240 avec des poisons. Il faut être 2400 de vita max. 2400 de vita plutôt. Est-ce qu'on a un soin du côté d'El Monster? Steamer qui jouait terre. Ouais. Oh putain, chiant les chiens, je vous jure. Ouf. De retour. Il a TP, donc plus de PA, une mise en garde. Sur lui-même. Alors. Panda qui porte son panda Wasta. Qui pour bloquer un peu le steamer encore une fois. Il porte le Zobal. Enfin, Zobal, ça peut revenir assez rapidement. Un vertige, ouais, bien joué le vertige. Pour l'obliger à revenir. La stab. Ouais, pour éviter le dommage de pousser, c'est bien joué. La picole. Et un petit point enfamé. La master qui est pas encore sûr de gagner. Hein. C'est vrai qu'ils ont quand même. Mais en tout cas l'écrasante, ça risque d'être compliqué, je pense. La preuve n'est pas sortie, un recon n'est pas sorti non plus. Puis le SRAM qui a quand même bien entamé tout le monde, hein. C'est dommage. Là il y a une vertige, donc le Zobal, est-ce qu'il va utiliser ses PM ou non? C'est toute la question. Une marée ainsi qu'une aspiration. Un fouen. Ouais, le fouen. Alors, le SRAM. Peut-être taper ce qui tape ou pas le. SRAM qui a 100. Ah oui, il est sous stable, mais c'est normal qu'il y ait autant. Et le poison encore sur Humidity. Humidity qui se retrouve en dessous de 1900 vita. Commence à faire faible quand même un peu. La libé sur le steamer. En le Zobal, est-ce qu'il va utiliser ses PM ou non? Parce qu'il est quand même sous vertige. Et vertige, je rappelle, ça en. Plus on utilise de PM, plus on se fait gangbang, on va dire. La bolish sur Lenny, c'est Lenny qui prend là. Lenny qui a pas pris grand chose quand même. Hein. Ah oui, qui était donc sous prêve. Le masque de classe. Ouf, il a quand même pris du 400, presque du 500 au vertige. La pupille sur Lenny. Un coup de cac suivi. Ouais, ça finira peut-être pas. Non, ça finira pas Lenny. Lenny qui joue juste après, donc ça sent la recon. Donc recon de Lenny. Ouais, sacrifice, il préfère pas prendre de risques. Parce que 1200 vita, ça reste quand même très faible. Mais avec les poisons passeront encore au-dessus. Donc ils vont peut-être perdre leur F4. Hein. Lenny, je pense qu'elle va recon, c'est même sûr. Mode jouvence. Ah oui, elle était sous mascarade, ouais, c'est bien joué. La kawotte. Pourquoi une kawotte, je ne sais pas. Le mot de silence qui enlève 2 PA au sacri et aux ovales. En Lenny. Unity. Tour de la FK qui prend encore du 300 avec le poison. Petit aveuglement
Sur le SRAM qui va sûrement y passer. Elle préfère ne pas rush. Elle ne pourra pas, de toute façon, elle pourra pas, je pense, terminer le SRAM. Non, le SRAM va rejoindre. Non, il jouera peut-être pas un tour parce qu'il y a Steamer qui joue après. Mais Steamer sera obligé de finir. Sauf qu'il y a Masca, donc le panda va souillure. Donc il récupérera sa Vita. Masca de combien? 257 PDV. Ça, ouais. C'est pour ça que la masque est plus élevée, mais en réalité non. Point enflammé sur Borghi. La trêve, tiens, donc la trêve, ouais, peut-être un peu mal joué. À moins qu'il se soigne. Enfin, je pense que un Eni soit un plus. Ah, quoique, le dommage de pousser passe au-dessus hein, de la trêve. Donc ça peut être intéressant pour eux. Mais au sixième tour, alors est-ce qu'il y aura une écrasante ou pas? Je doute qu'il y ait une écrasante. Steamer, hein, vu son tacle, on voit bien qu'il a les trophées. Un ressac, ouais, il s'est mal placé. C'est dommage. Ça qui finit. Gardienne. Les Dopu. Ouf. Dopu qui font très mal. 800 PDV pour la ligne Rapsa. Attends. Où est-ce qu'il est mon portable? Moi, je sais pas où il est. Tant pis, on va continuer, mais on va continuer le match. Les gars, je mange une pomme. C'est une golden. La luée de Borghir. Profiter encore du fouen. Ouais, c'est bien joué. Lenny qui va peut-être faire des frayeurs tant qu'on y est. La recon, ouais. Elle se recon, c'est plutôt bien joué. Ouais, hop. Mot interdit, ouais, enfin du moins interdit sur sur une tresse, ça fait pas grand chose. Hein. Malfeka qui tue attaque Tyrell. Une armure incandescente, ainsi qu'une béchasse à 700. Bon, ça fait mal. Une mise en garde. Hop. Ah, le commentateur qui était là tout à l'heure va bientôt revenir. Il est en train de boire un petit whisky coca en attendant un apéro. Un pont dans le cul. En lui-même, puis il y a un nuit utile se prend le cul, donc la trêve qui est terminée hein. Trêve qui est terminée, ouais, M-Monster qui a plus de mal que lors de ses précédents matchs tout de même. Il reste 8 PA. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec 8 PA, je me demande. Ouf, le fouen. Double fouen peut-être ou... De la chaîne quoi, Twitch ou YouTube?
Ménage. Ah, YouTube. Ouais. Bah, après le combat. Parce que bon, autant, je préfère comme ça. Comme ça, je pourrais bien upload cette partie-là sur le sur la chaîne YouTube, justement. Il y a encore une mascarade. Lenny qui est stable. Donc la boliche un peu inutile. Ah, il change de focus. Il cabriole sur le panda. Ouais, je viens de voir en fait ils sont 4-2 là. C'est vrai qu'ils sont 4-2. Mythique est à 1000 PDV. Bon, sous mascarade à moins 500. La punition Lenny. L'assaut. Peut-être, je sais pas, un autre assaut ou autre chose. Et la transpo sur Afrique. Transpo qui va sûrement deux retours plus béchasse. Là ils vont essayer de finir rapidement pour essayer d'avoir l'écrasante. Je doutais de l'écrasante, mais au final ils vont peut-être réussir. Tour du bâton, deux retours et aveuglement esquive PA panda. Je pense qu'avec un fouen, s'il a un ressac, ça devrait suffire. Salut. N'hésitez pas à faire de la pub pour ceux qui arrivent, c'est toujours sympa. Lily, ça sera donc à 22h20. 20h20 plutôt. Libé sur P4 pour enflammer. Panda qui court, ouais. Pendant le cul. Ouais, donc l'écrasante ne sera pas pour ce tour-là, à moins qu'il y ait la relance de TP. Pas impossible. Allez, on attend. Qu'est-ce que tu vas faire, Steamer? Qu'est-ce que va faire ce Steamer? Peut-être une autre harponneuse plus aspiration. Ça lui tirerait 3 PA. Il lui resterait 8 pour faire 2 fouen. Ce n'est qu'une idée, bien entendu. Allez. Tactirel. Ancrage, ancrage, ouais. Faut pas trop ce que vient faire la Tactirel ici. Yes, vous streamez Unity? Oui, depuis le début du combat. Ouais. Bolish. Il n'y aura donc pas d'écrasante pour ce combat. 620, il reste 1700 PDV. Dommage, mais l'écrasante, ça, ils passeront à côté cette fois-ci. Ah, je pense qu'il y a la relance de l'ATP du côté. Si, il y a l'ATP, mais elle fera pas du 1800. Volante. Ah ouais. Là peut-être qu'avec deux, ouais non, même sur du 50%, je pense pas qu'il y ait ici. Hein. Ça m'étonnerait. Ça se jouera à rien, mais ça m'étonnerait. Ouais voilà, c'est. Et la béchasse derrière. À moins que c'est 6 PA béchasse. Non, je crois que c'est 5. Hein. Si, c'est 5 PA. Non, oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Oula. Pardon. La libé. Pour troller un petit peu aussi qu'une flamiche. Hop. Le Karcham, Vertige, enfin je pense pas que tu tiendras jusqu'au tour du midi. La stab, ouais, reste 1000 PDV, portée,
Jeter sur attaque directe, c'est pas très intelligent. Ouais, pour une petite flasque, c'est qu'une picole. Ouais, le Steam, bah. Qu'est-ce que va nous faire ce steamer? Un fouet, une maîtrise d'armes et la béchasse. À 350 dans CC, c'est vrai que sur du 50%, c'est un peu normal. Veille, ouais, il peut venir avec 6 PM, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabrioles. Il y sera. Ah, il peut fouet. Ça va peut-être pas faire ça à sa place, mais. Je sais pas, moi j'aurais préféré faire avancer de 6. Une Amaska. Ouais. 3 PA, ouais, la Furia. Ah, je crois que ça va être le Sacri qui va finir ce match. Ah, même pas. Ça va être Humility qui va finir ce combat alors? Ouais, c'est Humility qui finira ce combat. Donc c'est une troisième victoire de la part de cette équipe. Une équipe à suivre quand même, hein. Cette équipe composée de Humility, la FECA.